Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette troisième soirée de l'ADN Dance Living Lab. Nous sommes ce soir en compagnie d'un artiste, David Val, qui est comédien, dramaturge et écrivain, et en compagnie d'un explorateur, Christian Clos, qui est également chercheur et scientifique. Deux personnalités riches, donc, avec des parcours pluridisciplinaires. Et nous sommes ensemble pour 45 minutes, au cours desquelles nous allons parler d'adaptation. Nous allons parler de la relation que l'homme tisse avec son environnement. Et nous parlerons également beaucoup d'imaginaire. Alors, la soirée va se dérouler en quatre temps. Comme d'habitude, nous allons commencer par un échange avec David Val et Christian Clos. Puis, nous passerons très rapidement au visionnage du film de David Val, qui est donc issu de sa rencontre avec Christian Clos. À la suite de ce temps de visionnage, nous repartirons sur un temps d'échange et je vous invite dès le début de cette émission à interagir, à poser vos questions, vos remarques dans l'onglet questions qui se situe à droite de l'écran. C'est ce qui nous permettra par la suite de pouvoir les transmettre à nos invités et de vous faire donc participer à cette discussion. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur l'ADN, puisque nous avons initié ce projet en partenariat avec le 104 Paris. L'ADN, c'est un média. Nous racontons les grandes idées, les initiatives, mais aussi les controverses qui façonnent notre époque, tous les jours sur le web et tous les trimestres en format revue, avec une intention qui est celle de renouer avec l'esprit de conversation et d'engagement. Avec l'ADN Dance Living Lab, nous avons voulu poser une question. Comment la danse et le spectacle vivant nous permettent de poser un regard qui est décalé, un regard singulier sur certains des grands enjeux de notre époque? Et tout de suite, pour en parler, j'accueille sur scène Maxime Fleuriot, qui est directeur artistique de l'ADN Dance Living Lab. Bonsoir, Maxime. Bonsoir Natasia, bonsoir à tous. Alors, Maxime, parle-nous un petit peu de ce projet. Raconte-nous comment est-ce qu'il est né, quelle est son ambition, quel est son ADN finalement, en quelque sorte. L'idée de l'ADN Dance Living Lab, c'est de raconter l'époque autrement, c'est de raconter les grands enjeux qui sont exprimés dans la revue l'ADN en s'adressant plutôt au registre des émotions. Ce qu'on a traditionnellement tendance à identifier du côté du cerveau droit. Et pour ce faire, on a réfléchi à une manière, à un format innovant, une manière de s'adresser au public différemment et de rapprocher des chercheurs et des artistes du spectacle vivant. On leur a proposé d'entrer en dialogue et à partir de ce dialogue, on a demandé à chaque artiste d'élaborer une forme artistique. Alors, pour tout vous dire, ça aurait dû se passer au 104 il y a 2 semaines. Et puis, la situation actuelle nous a obligés à réinventer un petit peu les choses. Et donc, on a imaginé plutôt de demander à chaque artiste de réaliser un film issu du dialogue qu'il a entamé avec le chercheur. Voilà. Donc, on a 4 binômes qui sont présentés pour l'ADN Dance Living Lab. Et celui-ci est le troisième. Alors justement, présente-nous un petit peu ce binôme. Je te laisse le soin d'introduire nos deux personnalités invitées de ce soir et peut-être de nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a choisi de les rassembler tous les deux. Oui, alors là, il s'agit de la réunion de David Val et de Christian Clos. David Val est un auteur, un metteur en scène, interprète. C'est un homme de mots. C'est vraiment un pas de côté hein, par rapport à ce format de l'ADN Dance, Living Lab, puisqu'il ne s'agit pas d'un chorégraphe. Clairement, c'est une surprise. On a proposé à David Val de nous rejoindre dans cette aventure parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps déjà aux enjeux de notre époque, à la question de l'anthropocène, à la question de l'homme et de son environnement, et qui nourrit cette réflexion par des causeries qui sont autant de digressions savantes et poétiques autour de ce sujet. Christian Clos, c'est un explorateur passionné par la question de l'adaptation de l'homme à son environnement et qui il a voyagé dans le monde entier, souvent accompagné de scientifiques, pour mesurer un petit peu les changements physiologiques induits par la présence de l'homme dans des milieux extrêmes. Donc, il semblait intéressant de les rapprocher, puisque ces deux hommes sont dans une pratique extrêmement différente, mais chacun à sa manière, parle finalement de la question, comme vous l'avez évoqué, de l'homme en lien avec son environnement.
Alors, David, Christian, je vous invite aussi à allumer vos caméras. Et pardon, Maxime, je te laisse terminer, mais peut-être qu'on puisse vous voir. Préciser qu'il s'agit d'une rencontre qui a été extrêmement rapide, hein, puisque en fait, David, après le dialogue qu'il a eu avec Christian, a eu seulement 3 jours pour écrire le texte et réaliser le film qui va vous être présenté ce soir. Donc, c'est vraiment une forme laboratoire. Une forme laboratoire, et sans plus attendre, David, je vais vous poser ma première question. Maxime le disait, vous êtes un homme de mots, je vous ai présenté comme un artiste auteur. Quels sont les champs, les disciplines, les objets de recherche, les objets d'expérimentation qui nourrissent votre travail ? Alors généralement, une fois que je suis tombé dans une question que j'ai envie de traiter, je vais rencontrer des spécialistes de différents domaines. Un récit, c'est toujours une enquête qu'on mène. C'est toujours un prétexte aussi au voyage, un peu comme Christian, même si je ne suis pas allé dans les terres qu'il a explorées. Et donc, je vais rencontrer des philosophes, des scientifiques, des historiens, des ingénieurs, des médecins. Et à partir de là, je vais collecter des faits qui me semblent intéressants parce qu'ils m'émerveillent et parce qu'ils semblent avoir un rapport avec une question que j'ai envie d'interroger, d'explorer. Et plus généralement, dans votre démarche, est-ce que vous cherchez à tisser un lien entre ces disciplines, ces métiers, ces sujets, ou simplement vous êtes un observateur finalement de la confrontation un petit peu de ces disciplines ? Non, je trouve ça très riche de pouvoir mêler les domaines de savoir poétiquement, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de transmettre un savoir ou de vulgariser un savoir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir trouver de la poésie dans la rencontre entre des domaines qu'on sépare trop souvent, pour créer un récit, pour créer un sens, pour créer une aventure, pour donner l'impression qu'on est acteur d'une histoire. Ça redonne un sens à l'action. Ça donne envie d'agir, en tout cas. On verra du coup tout à l'heure la forme qui va ressortir de cette rencontre avec Christian Clos. Christian, je vous présentais donc comme un explorateur-chercheur. Vous avez éprouvé le monde dans ses environnements les plus extrêmes pour étudier justement comment le corps humain, en tout cas votre corps à vous, pouvait s'adapter à ces environnements extrêmes. Pourquoi est-ce que cette question de l'adaptation se pose avec tant d'acuité aujourd'hui ? Alors d'abord, bonjour. Ça se pose parce que, en réalité, alors j'étudie bien plus que mon corps, puisqu'on a étudié des centaines de personnes sur le terrain et de différentes manières. Ça se pose tout simplement parce qu'il y a une évidence qui s'est imposée à moi après plusieurs travaux que j'avais menés entre 2000 et 2005, que la plupart des choses qu'on connaissait sur l'humain et sur le cerveau humain en situation réelle étaient connues sur des études qui se faisaient sur des animaux, des rats, des souris, des singes, ou sur des simulations qu'on mène dans le laboratoire, sur lesquels on peut paramétrer les résultats, en tout cas les protocoles, et puis enfin sur le récit des personnes qui racontent l'expérience qu'ils ont vécue, mais qu'on n'avait pas encore pu observer vraiment le cerveau de l'humain et sa capacité de fonctionner dans des situations réelles, puisque les outils n'existaient pas. Et on est dans un moment paradoxal où le récit qu'on a de nos vécus est déjà altéré, déjà transformé dans nos mémoires quand on le raconte à quelqu'un, même quand c'est assez proche des événements vécus. Et je pourrais demander à la plupart d'entre vous de me raconter très exactement son premier confinement, par exemple, et déjà la plupart d'entre nous auraient légèrement modifié son vécu par rapport à plein de savoirs et plein d'émotions qui sont passées. Or, on est dans un moment où on a un besoin gigantesque de comprendre comment on va changer nos paradigmes, pour une simple raison. Tout ce qu'on entend sur les problématiques sociales, environnementales et même technologiques aujourd'hui, on le disait déjà avec les mêmes mots, les mêmes problématiques dans les années 50-60, on a les mêmes expressions, les mêmes discours, et on n'a pas du tout évolué depuis. Donc ça m'a fait simplement penser qu'il nous manquait un outil, celui du paradigme cognitif humain, pour dépasser le simple problème technologique et législatif, mais bel et bien celui de nous en tant que comportement pour pouvoir modifier notre futur. Et c'est ça l'adaptation. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ces expéditions qui nous permettrait d'envisager ces moments de crise comme ça que l'on traverse ? Est-ce qu'il y a des grands enseignements que vous pourrez très rapidement nous livrer ? Très rapidement, c'est un peu compliqué. Mais déjà, il y a un mot qui a été prononcé par David qui est fondamental dans la recherche qu'on mène et que je mène avec l'Institut d'adaptation. C'est le mot émerveillement.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes confronté à une situation complexe et difficile, nous avons tendance à nous enfermer sur nous-mêmes, et plus elle devient difficile, plus elle devient complexe, plus on s'enferme, et plus d'ailleurs on va aller vers la simplicité du récit. À savoir, d'ailleurs on le voit actuellement avec tout ce qui est les théories du complot et tout ça, c'est-à-dire qu'on, quand on n'arrive plus à comprendre et qu'on est désorienté par rapport à ce qui nous entoure, eh ben, finalement on va vers le simpliste et l'enfermement sur soi. Et ça, finalement, c'est le pire qu'on puisse faire par rapport à la construction et la réalisation d'un futur. Or, une des choses et qui est fondamentale pour recréer une volonté, recréer une possibilité, c'est la notion d'émerveillement. C'est cette capacité qu'on a de s'accrocher à des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, pour reconstituer un instant de possible afin de construire dessus et quelque part de métaboliser ce moment pour en faire une possibilité future. Et là, on recommence à construire quelque chose. Donc ça, c'est très, très important que de s'ouvrir à l'émerveillement. Alors, c'est une excellente transition puisque je vous propose de passer sans plus attendre au visionnage de ce film. Ce film qui est donc celui de David Valle, qui est tiré de sa rencontre et de sa conversation avec Christian Clos. Je cède immédiatement la parole à Maxime qui va vous présenter quelques éléments qui vous permettront de profiter au mieux de cette expérience. Oui, comme je le disais, ce film est vraiment né d'un texte que David Valle a écrit, et on a vraiment cherché à donner la plus grande attention possible au texte. Donc je vous invite véritablement à essayer de vous concentrer sur le texte de David, à vraiment faire œuvre d'écoute, voilà, pour profiter au mieux de cette œuvre artistique. Et la passer, si possible, également en grand écran, puisque c'est quelque chose que l'on a également découvert au fil de ces émissions. Vous pouvez élargir la fenêtre de manière à apprécier au mieux les images. Donc, sans plus attendre, nous allons regarder le film de David Valle. Quand j'étais enfant, et comme beaucoup d'autres, je lisais dans le tronc des arbres. Je m'asseyais à côté d'une vieille souche et y comptais les cernes inscrites dans le bois. Un an, deux ans, trois ans, je lisais le temps qui passe. Je ne savais pas encore que plus tard, bien plus tard, en scrutant longuement les lignes zébrant la coquille de palourde, de Saint-Jacques ou encore d'huître, des savants allaient découvrir, en plus du temps qui passe, que l'environnement dans lequel ces coquillages avaient vécu avait lui aussi laissé des traces. La température de l'eau, la richesse planctonique des flux marins, les tempêtes, même le coefficient des marées façonnaient peu à peu, année après année, la croissance de ces êtres. Ils impriment dans les stries des coquilles comme une mémoire chimique, les archives complètes de l'écosystème dans lequel ces animaux ont vécu. Le monde qui les avait façonnés pouvait en quelque sorte se lire dans leur corps, après y avoir déposé jour après jour la nappe du temps et du milieu. Cette découverte m'émerveille à chaque fois que j'y pense. Et moi, quelles sont mes traces? Qu'est-ce que l'histoire du monde a écrit en moi? Que puis-je lire dans mon corps? En touchant mon coccyx, vestige atrophié d'une queue disparue, je peux lire les forêts tropicales qui poussaient en Afrique il y a des millions d'années, à l'endroit même où vivaient nos ancêtres lointains. Le climat devint plus sec, les forêts déclinèrent, et ceux-ci qui y vivaient, contraints de descendre des arbres et de s'aventurer sur la terre ferme, perdirent peu à peu leur queue, qui leur servait comme d'une cinquième main pour s'agripper aux branches. Sans queue, ils purent s'asseoir, puis se tenir debout. La raréfaction des arbres nous a sculptés bipèdes. À rebours de notre temps, où l'on considère souvent la nature au mieux comme un paysage de carte postale, au pire comme un milieu hostile, une scène de vacances ou de lutte, l'environnement se lie à nous de façon créatrice. L'évolution des écosystèmes, de leur climat, de leur faune, nous crée et nous recrée sans cesse.
Et s'il nous a fallu des millions et des millions d'années pour nous adapter au plancher des vaches, on s'étonne aujourd'hui de la rapidité avec laquelle certains humains se coulent dans des milieux parfois très inattendus. Les Indiens Bajaux, par exemple. Ces nomades de la mer évoluent dans un univers paradisiaque baigné d'eau bleue. Peuplant des îles au large de l'Indonésie, les Bajaux vivent depuis des millénaires d'océans et de pêches. Au cours de plongée en eau assez profonde, munis de simples lunettes de bois, ils ramassent coquillages, poulpes et crustacés dont ils font leur repas et leur commerce. Être comme un poisson dans l'eau semble chez eux bien plus qu'un proverbe. Ces hommes et ces femmes, qui nagent 7 à 8 heures par jour, peuvent sans aucun équipement descendre à plus de 70 mètres de profondeur. Et plus incroyable encore, rester chacun en apnée 13 minutes. Quand un morse, lui, bien plus adapté à l'élément marin, n'y tient pas plus de 11. Comment expliquer une telle facilité? Comme chez certains mammifères marins, leurs rates semblent s'être agrandies et leur permettent d'amalgamer en leur sang un surplus d'oxygène, une modification génétique qui les rendrait plus aptes à la plongée, des hommes aquatiques en quelque sorte, bien plus encore que des nomades de la mer. C'est Pigafetta, le chroniqueur des expéditions de Magellan, qui fut le premier Européen à rencontrer les Indiens Bajaux. C'était en 1521. Pigafetta avait vu beaucoup de choses. Il avait suivi Magellan dans le premier tour du monde de l'histoire. L'équipage avait survécu à l'une des traversées les plus éprouvantes qui soient, le passage du Cap Horn, la pointe extrême du continent sud-américain. Jamais marin n'avait posé ses yeux sur une terre si hostile. Le monde paraît ici finir. À ces latitudes extrêmement basses, l'océan est en furie perpétuelle. Il s'insinue partout. Le continent semble s'y dissoudre. La terre s'effrite dans la mer plus qu'elle ne l'aborde. Des îles, blessées par l'océan, fouettées par d'immenses vagues, parsèment l'écume. Le temps y est imprévisible. La nature semble se dérégler à chaque minute. En une journée, 20 à 25 épisodes climatiques extrêmes s'y succèdent. Des vents à plus de 200 km/h balayent la roche. La température n'y dépasse jamais 10 degrés. Il y pleut presque continuellement. Les arbres poussent sur la glace. Les forêts pourrissent d'humidité. Une terre à transir qui la voit ou seulement la raconte. Seul nous réchauffe ce nom de terre de feu, curieusement donné à cette partie détrempée du monde. Magellan, qui la nomma ainsi, vit en passant au large d'étonnantes et paradoxales colonnes de fumée s'échapper vers le ciel. Phénomène naturel défiant les lois de la physique. Car quels hommes pourraient bâtir un monde en un tel enfer? Un peuple nomade avait pourtant trouvé en ces terres un asile et un royaume, une place, les Kaveskars. Vêtus de fourrures, ils vivaient de poissons et d'oiseaux marins, de ce que l'océan et le ciel voulaient bien leur céder. La nuit, où la température dépasse rarement les 3 degrés, ils dormaient les uns contre les autres, étonnamment nus, le corps enduit de graisse de phoque. L'évolution, il est vrai, leur avait donné, comme aux Indiens Bajaux, un petit coup de pouce. Et il semble bien que leur thermogénèse, leur aptitude à produire une chaleur corporelle interne, se soit trouvée modifiée et considérablement accrue. Il n'empêche, la question profonde qui se pose ici n'a rien à voir avec la biologie. Pourquoi ces Kaveskars ont-ils choisi de s'arrêter là, où les hasards de l'exil et de l'exploration les avaient jetés, et de rester à cet endroit où la nature est si rude et si hostile? Loin de lutter contre cet environnement, de chercher à le dompter, les Kaveskars ont choisi de s'y relier. Ils se sont mis à le nommer, à poser sur lui des paroles, des histoires. Cette pluie qui ne cesse de tomber, plus de 20 mots l'ont enveloppée, pour dire sa nature, sa force, son épaisseur, ce qu'elle fait à la terre, ce qu'elle fait à la peau. Comme les Inuits et leurs 50 façons de nommer la glace, les Kaveskars ont fait entrer en eux le monde qui les cernait, pour s'y mêler, s'émerveiller et pour l'aimer. Plus l'environnement s'avère complexe et plus les hommes, s'ils veulent y survivre, développent une narration puissante. Si le corps change, si les gènes nous transforment, si l'évolution nous accompagne, par le langage se parachève l'adaptation. Dire le monde avant qu'il nous rejette,
créer avec lui une destinée commune, chanter un chant d'amour, raconter la nature comme la nature nous écrit. Aujourd'hui, de ce peuple admirable qui nous enseigne tant sur la beauté de l'homme, plus rien ou presque ne subsiste. Quand les Européens prirent possession de cette terre, ils forcèrent les Kaveskars à se défaire de leur fourrure, à se nettoyer de cette graisse de phoque qui dégageait aux narines étrangères une odeur insoutenable, et revêtant les nippes de leurs conquérants pour la première fois de leur longue histoire, ils eurent froid et périrent, le drap des vêtements restant continuellement humide sur leur peau. On voulut dompter leur territoire, on jeta ce peuple à la technologie moderne, on chauffa leurs maisons, on leur donna de l'alcool pour réchauffer leur corps, eux qui ne craignaient ni le gel ni la glace, et tout cela les décima. Leur langue se perdit, la pluie devint la pluie, seulement la pluie. Leur terre se tut. Malgré la richesse de leur langue à présent morte, les Kaveskars n'avaient aucun mot pour dire le bonheur. Mais l'épopée d'un peuple qui s'unit à une terre où il semblerait bien que l'on ne pût survivre n'est-elle pas à elle seule le chant d'un grand désir? J'écris ces quelques lignes au pied du mont Ventoux, resté des siècles craint et inexploré. En 1336, Pétrarque, le poète, parvint en premier homme à son sommet. Il écrivit alors ces quelques lignes. J'ai fait aujourd'hui l'ascension du mont Ventoux, la plus haute montagne de cette contrée, guidée par mon seul désir. Nous venons de visionner le film de David Valle. David, Christian, je vous invite à remonter sur scène. Et Christian, ma première question, qui est en fait une demande de réaction, s'adresse à vous. Vous venez de découvrir ce film en même temps que nos spectateurs et nos spectatrices. Quelle est justement votre réaction face à ce récit et à ces images? C'est pas évident hein, de réagir comme ça. Il y a beaucoup de mots, beaucoup d'informations. C'est sûr qu'on a beaucoup parlé avec David de cette évolution des peuples divers et variés qui ont occupé des territoires et sur ces questionnements finalement qui nous a conduit à parler de pourquoi un peuple reste à un endroit finalement. Qu'est-ce qui fait qu'un territoire devient le sien alors que peut-être on a la possibilité d'en partir? Pourquoi les humains, quand ils vivent dans les endroits les plus extrêmes, les plus arides, dans des conditions qui nous paraîtraient à nous aujourd'hui aberrantes? Moi, j'ai rencontré des humains de ce type-là et quand on leur pose la question « voudrais-tu partir ?» Jamais. Jamais. Et ça, c'est d'ailleurs une leçon qu'on doit considérer quand on parle des migrants, des migrations, qui quelque part, on considère que les Kaveskars avaient été rejetés loin par les peuples forts. Alors, on l'a vu par les mots de David, Dieu sait si les Kaveskars étaient un peuple fort. Il n'y a pas d'humain qui veut vraiment quitter son territoire quand on en a fait sien. Et on le quitte par besoin, par nécessité, par obligation, par violence. Et par conséquent, le rôle qu'on doit tous avoir sur cette terre aujourd'hui, c'est de rendre les nécessités de départ d'abord caduques, mais surtout de considérer que l'accueil doit toujours être le plus ouvert possible parce que les gens qui ont tout perdu viennent chercher quelque chose qu'ils doivent essayer de recréer dans un monde qui n'est plus le leur. Et ça, c'est peut-être assez marqué dans ce que j'ai entendu des mots de David, c'est que la pluie est devenue la pluie. Et c'est la pire des choses qu'on puisse faire à un peuple, c'est de lui enlever son âme, ses mots, son sens, son histoire, ses contes, parce que soudainement, on décide que c'est les nôtres qui priment. Ce que vous dites résonne avec l'actualité assez singulièrement. Maxime, je te laisse la parole peut-être pour questionner David également. Oui, en visionnant ton film, David, j'ai envie de savoir un petit peu, dans le dialogue que tu as eu avec Christian, finalement, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement? Et puis aussi une question liée, c'est-à-dire à quel endroit de ta pratique, la pratique des mots, la question de l'adaptation s'inscrit-elle? Alors, pour la,
Pour répondre à la première question, effectivement, là où j'ai été très surpris par Christian lorsqu'on a échangé, c'est que c'est vrai que moi qui je suis fasciné par l'interaction vivant-climat, par la sélection naturelle, par l'évolution, par le fait que en voyant un être, en étudiant un être, et on le sait depuis les fossiles, en étudiant un être, eh bien, on voit les traces de plus en plus, on apprend à le lire et à lire l'environnement dans lequel cet homme ou cet animal ou cet ancien être vivant datant de millions d'années, dans quoi vivait-il? Comme je dis au début du texte, même maintenant, on prend une coquille de Saint-Jacques et on peut savoir exactement la composition de l'eau dans laquelle cette coquille avait été. Donc ça me fascinait. Et Christian, et donc on parlait, on échangeait sur justement ces peuples et ce vivant qui s'adapte. Je lui parle des bajots et je leur dis, voilà, on discute de ces évolutions biologiques, parfois de génétiques, parfois des adaptations, et on se dit, c'est incroyable. Voilà, on vit au bord de la mer, peu à peu, on s'adapte à la mer, on vit sur la glace, peu à peu, on s'adapte à la glace. Et Christian me dit, oui, mais il y a une question quand même. Ça ne résout pas tout, c'est exactement ce qu'a dit Christian. Pourquoi, dans des environnements très hostiles, comme les Inuits, qui vivent dans un environnement par rapport à nous qui vivons en France, ça nous paraît très hostile, les Kavaskars, qui vivent dans cette terre détrempée d'humidité, pourquoi ont-ils choisi de rester là? Ils auraient pu effectivement repartir. Et ça, je dois dire que ça a créé en moi vraiment un abîme poétique et de réflexion. C'est effectivement cette question-là. Les bajots, finalement, dont je parle au début du texte, ils vivent dans un environnement paradisiaque. Tout le monde voudrait aller voir les Indiens bajots. Enfin, c'est au large de l'Indonésie, la mer est bleue, il y a des requins-baleines, il y a des magnifiques poulpes, il y a des forêts magnifiques. On comprend, on a envie d'y passer des vacances. Après, la plupart des gens, même si moi j'aimerais beaucoup aller au Cap Horn, on n'y passerait peut-être pas sa vie entière. Donc, cette question, non, pourquoi on reste là et est-ce que c'est pas ça? À la fois le début de l'évolution, ensuite qui va se lire dans nos corps, l'acceptation, se retrouver dans un endroit, et puis ensuite y rester pour que se parachève cette. Donc le rapport, l'articulation entre adaptation et évolution, ça j'ai trouvé ça passionnant. Une petite incise, Christian ou David, est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu qui sont ces deux tribus dont vous parlez, les Kavaskars et les Bajots, qu'on ait bien tous les éléments de contexte pour comprendre en quoi ils vous ont inspiré à ce point? Alors, je te laisserai les bajots, puisque c'était ton dada initial. Pour les Kavaskars, donc en fait, à l'extrême sud du Chili et de l'Argentine, commence la Patagonie, la terre de feu, vivaient quatre peuples nomades, tous, deux peuples terrestres et deux peuples marins. Les peuples terrestres, ben, on ne va pas s'en occuper parce qu'on parle des Kavaskars. Sur la terre de feu et au sud, ce qui est aujourd'hui le détroit de Beagle, enfin, le canal de Beagle, vivaient les Yamana, et au nord de Magellan, vivaient sur à peu près 1 000 km, un peuple, les Kavaskars, qui veut dire homme dans leur langue, qui vivaient dans des canots d'écorce cousue, avec des boyaux des différents animaux qu'ils trouvaient sur place. Et effectivement, ils vivaient tout nus. Et ils faisaient un feu dans leurs canots pour pouvoir se réchauffer, parce que malgré tout, ils n'étaient quand même pas capables de résister à n'importe quelle température. Et ils évoluaient dans ces canots pendant toute leur vie. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait des mois et des mois de kayak pour essayer de retrouver leurs traces, essayer de retrouver leur manière d'être, leur manière de fonctionner. C'est extraordinaire. Il y a un détail, après, on ne va pas faire trop long parce que le temps est faible, mais il y a un détail qui m'a marqué dans l'imaginaire de certains dessins qu'ils ont laissés, de certaines traces qu'ils ont laissées, c'était la hiérarchie sur le bateau. Et notamment, effectivement, que les enfants qui étaient fragiles, qui avaient froid dans ces univers et qui étaient les plus près du feu, lorsque la tempête arrivait ou lorsque les conditions devenaient trop dures avec les vents, les anciens se couchaient sur eux et créaient ainsi une protection naturelle pour leurs enfants, avec le risque pour eux, effectivement, de ne pas résister à la tempête. Et ce mélange étonnant de prendre soin des siens tout en étant confronté à des choses extrêmes. Les hommes n'apprenaient pas à nager, les femmes apprenaient à nager, c'est elles qui allaient pêcher parce qu'il y avait des superstitions, donc elles avaient une puissance extraordinaire. Bref, c'est tout un monde qui s'est créé et qui est fascinant. Vous pouvez rencontrer plus facilement avec deux choses. Tout d'abord, bah, malheureusement, on les connaît plus en Occident sous le nom Alakalouf,
parce que lorsqu'ils ont rencontré les premiers Occidentaux, ils ont rapidement dit « Alakalouf », qui veut dire « donne-moi » dans leur langue. Donc, les Occidentaux les appelaient les Alakalouf. Donc, si vous cherchez Kaweskar, vous trouverez plus Alakalouf. Et il y a un sublime livre de José Emperer, « Les nomades de la mer », qu'il a écrit après avoir passé 2 ans avec eux en 46-47, juste après-guerre, qui est une merveille du genre dans ce qu'est l'anthropologie d'action. Et pour moi, c'est le plus grand anthropologue qui ait su donner à un peuple une vérité. Les Indiens Bajo, quant à eux, c'est également un peuple qui vous a fasciné. David, donnez-nous brièvement quelques-unes de ses caractéristiques. Allez-y, pardon. Les Kaweskar, effectivement, moi, je ne les connaissais pas. C'est Christian qui m'a appris l'existence et l'histoire de ce peuple. Les Bajo, c'est des Indiens qui sont assez fascinants parce que, enfin, là aussi, malheureusement, ils sont un peu en danger à l'heure actuelle, mais c'est des hommes, des pêcheurs. Ils vivent vraiment aussi sur des bateaux, ils sont mêlés à l'élément marin et depuis des millénaires, ils vivent de pêche. Et on a découvert que ces bajots pouvaient rester en apnée, comme je dis dans le texte, plus de 13 minutes, ce qui est gigantesque en moyenne. Hein, 13 minutes, un morse, il ne tient que 11 minutes. C'est une loutre, un tout petit peu plus, mais c'est fou en fait. Et ils avaient, voilà. Et donc on s'est mis à s'intéresser à ce peuple qui malheureusement. Commence à être intégré à la civilisation contemporaine, donc ils commencent à quitter leur village, à abandonner l'élément marin, à abandonner la pêche. Et voilà, c'était une preuve que l'homme et son environnement, puisqu'il y a eu une évolution chez eux, une sélection naturelle qui les a rendus aptes en fait à l'apnée, à la plongée. Et ça montre vraiment que l'environnement et le corps tissent des liens vraiment extrêmement intimes et extrêmement profonds, et que l'environnement n'est pas qu'un paysage qui se situerait face à nous, mais quand nous portons vraiment au bout d'un moment ce monde-là que nous observons, nous pénètre, s'imprime en nous. Et je trouve ça très très beau, parce que c'est une autre façon de voir cet ensemble relationnel qui est vraiment, ce vrai ensemble relationnel qui est l'écosystème. L'un des enseignements de votre texte et de ce film, c'est également de questionner cette idée que l'adaptation est uniquement biologique. Il y a également d'autres facteurs, des facteurs culturels. Christian, vous avez un commentaire sur cette idée ? Oui, alors l'adaptation biologique, en réalité, elle est faible et très très lente. Hein. Faut pas se leurrer. Nous, humains, on s'adapte très peu biologiquement, sinon au travers de l'épigénétisme aujourd'hui, qui est de plus en plus étudié, de plus en plus connu, qui montre bien qu'il y a des marqueurs épigénétiques qui se transmettent de génération en génération, qui permettent d'avoir des informations qu'on n'aurait peut-être pas eues autrement. Mais l'adaptation de l'humain, elle est surtout dans sa capacité à la projection. Et il faut vraiment se baser sur ça, et c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. Il y a des facteurs adaptatifs qui permettent de sortir de l'idée de devoir toujours réagir à l'avant, à la crise, et d'essayer de revenir à un état naturel qui est peut-être plus la résilience. L'adaptation demande de faire le pas supplémentaire, de se projeter dans un futur possible pour lequel il va falloir construire une compétence, un savoir-faire, un paradigme différent pour modifier son comportement pour que ce futur devienne possible, et plus encore pour peut-être éviter que le futur soit impossible. Donc c'est vrai qu'on a tout un cheminement adaptatif à faire qui passe par la sensorialité, par les émotions, par la compréhension systémique d'un univers et non pas seulement d'une seule discipline. Et quand on commence à agir dans ces travaux et quand on commence à s'ouvrir à cette possibilité de projection, alors on rentre dans une démarche adaptative qui nous donne une possibilité extraordinaire que de vouloir se transformer. Et nous devons nous transformer, non pas pour devenir des autres êtres, mais pour devenir des êtres collaboratifs capables de générer ce futur auquel on doit tous rêver aujourd'hui. Alors, Marc Langlois nous demande, et je pense que la question s'adresse à David, quel aurait été le format de la présentation en salle ou sur scène, au plateau, au 104 ? Alors, comme... Si vous aviez pu le faire. Alors, ça aurait été très simple, puisque je suis auteur. Et déjà, la proposition, c'est la première fois de ma vie que j'écris un texte en 3 jours. Donc, je pense que je n'aurais pas eu le temps vraiment de réfléchir à une incarnation autre que de le lire moi-même. Peut-être on aurait mis des choses pour agrémenter le plateau, mais je pense que je l'aurais lu. Je vous aurais fait une petite veillée, en fait. Ça aurait été un conte. Je tiens d'ailleurs à remercier beaucoup Evan Rouillard et Maxime Fleuriot, parce que c'est vrai que les images ne sont pas forcément un médium avec lequel j'ai l'habitude de travailler, et ils ont été des guides et des créateurs très précieux là-dessus.
Dans votre texte, vous touchez également du doigt un petit peu le motif de la perte. Hein. Ce sont des peuples qui ont été colonisés, qui se sont fait d'une certaine manière approprier leur territoire. Je vois en écho un petit peu à cela, même si on ne peut pas le mettre sur le même plan, évidemment, une question de Marion Gardet qui nous demande « Pensez-vous que nous avons perdu quelque chose en Europe ? Comment voyez-vous notre société actuelle et notre rapport à notre territoire environnement ?» Vous avez la nuit devant vous. Je pense qu'on a les deux des choses à dire par rapport à ça, David et moi. Il y a plusieurs choses qu'il faut quand même considérer. C'est que je crois qu'il faut qu'on sorte de vouloir systématiquement comparer les bons peuples, les mauvais peuples, de ceux qui font bien, de ceux qui font moins bien. Je crois qu'aujourd'hui, l'évolution a amené les Européens, les Occidentaux, les Américains, et puis finalement de plus en plus de peuples à quitter en partie leur nature pour créer des systèmes qui sont déconnectés de la nature. Ça, c'est vrai. En contrepartie, on oublie parfois que la capacité, par exemple, de créer une égalité femmes-hommes est rare dans les peuples. Elle existe dans certains endroits, mais pas partout. Donc, on a créé d'autres fonctionnalités qui ne sont pas inintéressantes non plus, mais qui doivent aujourd'hui se re-questionner à l'aune de la réalité de ce qu'on nous a proposé, de ce que la nature va nous proposer. C'est-à-dire qu'on doit revenir sur une base beaucoup plus naturelle de notre rapport à la nature, puisqu'en se coupant d'elle, on s'est coupé d'émotions et de sensorialité qui étaient nécessaires à notre fonctionnement et à notre système adaptatif. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit militer fortement pour une évolution éducative qui doit plus se baser uniquement sur le système industriel tel qu'il a été conçu dans les années 50, parce que c'était ça qu'on nous enseignait, pour passer à retourner vers un niveau naturel, avec le retour à la nature et amener la nature en ville. Parce que clairement, on ne pourra pas ramener tout le monde dans la campagne, c'est impossible. Donc, il faut trouver d'autres méthodes. Et aujourd'hui, on a un défi extraordinaire et quelque part, je le trouve intéressant. Et il est beau, ce défi, que de se poser la question de ce qu'on va faire de ça pour recréer un possible dans un contexte où on s'est coupé de cette nature. Mais il n'y a pas de peuple parfait, il n'y a pas de peuple horrible, il y a des humains qui parfois prennent des mauvaises directions, des mauvais schémas, qui parfois sont mal dirigés, mais c'est aussi nous qui les choisissons, ces dirigeants. Et finalement, c'est ce tissu humain qui peut se reconstituer dans le drame, mais aussi dans le possible. Et je crois que le drame, on l'a pas mal vécu ces dernières années, on l'a créé, en construisant quelque chose qui est anomique par rapport à la nature. Maintenant, il est temps de recréer le possible. Maxime, une réaction, une question peut-être que tu aurais envie de poser ou une question du public qui a retenu ton attention? Et une question de Dorine Zico qui s'adresse à Christian, qui nous demande si c'est votre première collaboration avec un artiste. Et si dans cette collaboration avec David, ça a induit quelque chose dans vos réflexions? Non, c'est pas ma première collaboration avec un artiste, mais c'était clairement le meilleur. Non, alors moi je viens paradoxalement, quand j'étais enfant, je voulais être explorateur, j'avais aucun doute là-dessus, je voulais connaître le monde, mais quand je suis arrivé à 16 ans, enfin avant d'ailleurs à 14 ans, devant le conseiller d'orientation professionnelle et que je lui ai dit, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire comme métier, j'ai dit explorateur, il m'a regardé, il a remis ses notes, il a dit bon, il y a de la place dans l'industrie ou dans la police. Bon, alors l'un et l'autre ne me convenaient pas, donc j'ai voulu chercher un métier qui me permettait d'explorer. Et c'est exactement ce qu'a décrit David. Mon chemin a été celui-ci, de me dire si je ne peux pas explorer le territoire, je vais explorer l'esprit. Et quelque part, l'art était la meilleure manière de le faire. Donc, j'ai un parcours artistique préalable à mon métier d'explorateur. Et donc, j'ai collaboré avec un certain nombre d'artistes. Maintenant, je suis à l'exploration depuis maintenant 20 ans. Et je me rends compte que l'art me manque terriblement, non pas parce que je ne le pratique plus, je vais toujours voir des expositions, mais parce que la plus belle manière que de considérer un nouveau monde, c'est d'abord de l'imaginer. Et personne ne part sans imaginaire. Magellan est parti sur des cartes fausses. Sans ces cartes, il ne serait pas parti. Sans cette volonté, il ne serait pas parti. Ensuite, sur le territoire, il a trouvé autre chose. Et je crois que c'est ce qu'on a peut-être perdu aujourd'hui. On parlait avant de cette différence entre les peuples. On a un peu perdu notre imaginaire et la culture, les artistes sont là pour nous aider à le refaçonner, à le recréer, pour se reconstituer le futur. C'est en ce sens qu'on ne peut jamais, dans aucune société, se passer de l'art, et aucune société évoluée et qui a été capable de vivre avec son territoire ne s'en est passée.
Alors, la question de l'imaginaire, elle est évidemment au centre de vos travaux, David. Manon Joseph nous pose une question en réaction au film. Elle nous dit « Votre projection semble faire une critique de notre évolution actuelle, besoin de chauffage, de vêtements. Ne pensez-vous pas que l'évolution est nécessaire et positive? Certes, nous nous adaptons de moins en moins, mais nous avons les capacités et les moyens de faire bien d'autres choses plus variées. » C'est un peu en écho à une réflexion aussi sur le progrès. Non, je ne suis pas contre le chauffage central, je trouve que quand même il est très agréable, donc et c'est pas du tout une critique de l'évolution, bien au contraire, on peut même dire que je suis assez fasciné par les innovations technologiques, et de la même manière que Christian l'a dit tout à l'heure, je pense que vraiment il faut regarder devant soi, il faut voir, mais en revanche, ce qui est important, c'est la relation juste, et ça, effectivement, ce qui compte, c'est pas ce qu'on donne, c'est comment on le donne et à qui on le donne et comment on le partage. Alors bien sûr, ça c'est une autre question. Non, je ne. Le progrès, si vous voulez, dans les technologies, une technologie pour moi, elle n'est pas moralement bonne ou mauvaise. C'est une technologie, c'est un outil, c'est la manière dont on l'utilise. Mais je voudrais pas donner l'impression qu'au contraire, je suis quelqu'un qui regretterait le passé. Non, en revanche, il y a des gestes, effectivement, qu'on peut, voilà, qu'avec le recul, on sait que c'est, voilà, il faudrait plus faire les mêmes, quoi. Parce qu'on apprend aussi en avançant. Alors moi, de mon côté, il y a une phrase qui a particulièrement retenu mon attention hein, dans votre film. C'est la phrase, et là je vous cite, « À rebours de notre époque où l'on considère la nature au mieux comme un paysage, au pire comme un milieu hostile, une scène de vacances, de carte postale ou bien de lutte, l'environnement se lie à nous de façon créatrice. » Et c'est une phrase sur le lien avec l'environnement hein, qui semble faire écho, il me semble, à tout un pan de l'anthropologie qu'on voit aujourd'hui de plus en plus médiatisé, donc toute une réflexion autour du vivant, nos relations au vivant, au non-humain. C'est une réflexion aussi que Rocio Béranger avait elle-même entamée hein, dans la première émission. Alors, j'aimerais vous faire un petit peu parler de cela, puisque en germe de tout ça, dans le cadre d'analyse qui sous-tend cette réflexion, il y a cette idée qu'on a longtemps opposé nature et culture, d'un point de vue conceptuel, mais du coup, ça a donné lieu à un ensemble de pratiques et de modes de vie qui sont ceux qu'on a aujourd'hui. Pourquoi est-ce que parfois, il est utile de remettre en question cette opposition, comme le font beaucoup de penseurs actuels, je pense à Philippe Descola, Vinciane Després, Nastasia Martin, pour en citer quelques-uns. Ben, d'abord, c'était très important à une époque, effectivement, cette division, qui n'était pas forcément d'ailleurs dans l'opposition, mais en tout cas, cette séparation entre nature et culture, elle a correspondu, c'est un outil intellectuel qui a permis d'élaborer des concepts extrêmement importants à une certaine époque de notre histoire. Elle l'est toujours, d'ailleurs, à certains domaines. C'est très ancien. Hein. Quand on lit Pline l'Ancien, hein, qui était le premier naturaliste romain, quand il décrit tout le vivant, et quand il arrive sur le chapitre de l'homme, il dit « Ah ben l'homme, vraiment, la nature a été avec lui une vraie marâtre. Il ne nous a pas donné d'écorce, de fourrure, de plumes, on ne sait rien faire, etc. » Mais on voit bien que, bien sûr, tous ces termes de ces dialectiques sont à réinterroger quand le monde passe d'un équilibre à un autre. Et c'est vrai qu'en ce moment, le rapport nature-culture est remis en question. La nature étant une projection, enfin, est-ce que les deux sont si séparables que ça? Mais ça, Christian, il travaille vraiment là-dessus. La culture et la nature, finalement, la nature, on voit souvent la nature selon un critère culturel, et souvent, ce qu'on attribue à la culture, c'est de la cognition et c'est naturel. Donc la séparation n'est pas si évidente que ça, et comme en ce moment, on réinterroge vraiment les frontières que la modernité a érigées pour encore une fois des raisons légitimes, mais qui maintenant doivent peut-être être réinterrogées. Eh bien voilà, on parle beaucoup de cette frontière voilà, entre culture et. Est-ce que c'est nécessaire encore de les opposer? Oui, surtout que la question doit se poser de ce qu'est la culture d'abord. Lorsque les Grecs anciens et notamment les premiers se questionnaient sur l'atome, par exemple, qui voit ce fini absolu qui était le système atomique, et puis tout d'un coup qui voit une plage
qui est parfaitement plate et qui est finie, et puis descendent sur la plage. Et là, quand on regarde la plage, c'est plein de petits grains de sable. Et là, ils commencent à considérer, à comprendre que l'univers n'est pas un tout fermé, mais que c'est beaucoup d'éléments versatiles qui composent une unité. Et c'est de la culture, quelque part, que cette capacité à considérer le milieu, l'espace, la géographie comme un élément qui nous incite à comprendre un monde. La culture, elle n'est pas seulement, et c'est pas du tout, et Dieu sait si j'ai un respect gigantesque pour David et pour tous les travaux qui se mènent sur une scène, qui se mènent au cinéma, qui se mènent avec la danse, avec la musique. La nature est par définition culture. Lorsque vous l'entendez, lorsque vous l'écoutez, lorsque vous entendez le son dans les arbres, lorsque vous commencez à considérer les animaux et leur manière de danser pour s'attirer les uns les autres, on nous dit que c'est pas de la culture, mais pourtant c'est une manière de s'approprier un territoire qui est extraordinaire. Donc je crois qu'on doit complètement dépasser ça aujourd'hui. Ça a été mis en place aussi à des époques où on avait besoin de se séparer, de couper, comme l'a dit David, pour diverses raisons. Ça nous a permis des choses très bien. Aujourd'hui, je crois qu'on doit tout simplement reconsidérer le tout. Nous sommes vivants, nous faisons partie du vivant. Chaque animal, chaque plante fait partie du vivant. Et je crois qu'à chaque fois qu'on veut séparer les choses entre végétaux, animaux, humains et autres animaux, on est dans l'erreur parce qu'on essaye de considérer l'unité plutôt que l'ensemble. Je vous propose de conclure sur ces paroles qui nous ouvrent beaucoup de pistes de réflexion hein, sur comment retisser des liens avec le vivant, avec notre environnement, des liens qui ne soient pas forcément sur le mode de la prédation hein, et de l'exploitation. Merci infiniment à tous les deux, David Val, Christian Clos. Merci à notre partenaire, le 104, donc toutes ses équipes et également à José-Emmanuel Gonsalves. Nous nous retrouvons quant à nous jeudi prochain, le 3 décembre à 19h et ce sera la dernière émission de ce cycle de l'ADN Dance Living Lab. Nous serons en compagnie de la chorégraphe Anne Nguyen et de la scientifique Mélanie Marcel. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.